Bonjour à tous sur Livre à venir. Eh ben, aujourd'hui, donc, je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver, toujours à ma même petite place, avec la fenêtre ouverte, un très très beau temps. Et je vais vous présenter un livre juste fabuleux, « Je suis pilgrime » de Terry Hayes. Alors, c'est le livre intelligent parfait. Une fois que vous serez dedans, vous ne pourrez plus le lâcher. Il y a tout. C'est du polar, de l'espionnage, de l'histoire contemporaine, de la géopolitique, de l'amour. L'histoire commence à New York, où on va retrouver le corps d'une jeune femme dans sa baignoire. Le corps est absolument inidentifiable puisqu'elle baigne dans un bain d'acide. On lui a même retiré les dents. Et deux inspecteurs vont être mis à l'œuvre pour résoudre cette enquête. Et l'un des deux inspecteurs appartient au service secret, puisque visiblement, il se passerait des choses troubles autour de ce meurtre. Après, de là, on va partir en Syrie, où vous allez assister à des scènes complètement apocalyptiques qui risquent de rester gravées longtemps dans votre tête. Et après, on ira en Arabie Saoudite, où vous rencontrerez le Sarraza et un réseau salafiste. Et puis après, ça part dans tous les sens, à Berlin, à Washington, en Grèce, avec des hommes politiques, des trafiquants de drogue. Bon, ça va dans tous les sens, c'est génial. Si vous hésitez à choisir un polar pour un long trajet en avion, ou parce que si vous aimez bien rester longtemps sur la plage à bouquiner, il faut choisir « Je suis pilgrime » de Terry Hayes. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle lecture et je vous dis à très très vite.